Bon, ça va toujours. Un peu en stress. Ouh. Journée qui commence sur le chapeau de roue. Trop d'émotions pour un Cyril. Tac, 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 tac. Ouais, au final, en fait, par contre, héros tout le monde, il y avait. On devait monter de 2 étages, mais on peut pas encore. Et pour Nat, ça va être très dur quand même. Parce que donc, ouais, le buffet est quand même assez conséquent. Et alors, moi, de mon côté, pour, à deux comme moi, tu vois, ça irait. Je suis pas déménageur, mais bon, j'ai un bon gabarit, donc ça aide. Mais c'est vrai que la pauvre Nat, bon. C'est pas, on n'a pas la même force, quoi. Résultat, on a fait un étage déjà, on fera le prochain étage, je sais pas, plus tard. Parce que c'est un buffet en fait, il va servir à. Ce buffet, en gros, l'idée, c'est qu'il y a un truc entre les bureaux, chambres et tout. Et il va servir pour le coup de range matos. Webcam, tous les câbles. Bah, tout le matos en fait, c'est vachement pratique. Parce qu'il y a plein de tiroirs. Donc c'est idéal en fait pour ranger plein de trucs dedans quoi. Donc elles reviendront pour le reste les meubles. Enfin, j'engueule pour le coup, du monde parce que je suis persuadé de leur avoir demandé justement qu'ils me. Qui me les retouche chez moi quoi, donc bon. Re. Salut Corador. Alors attends, je crois que je peux crafter des pièces du set Bariot déjà. Forger, armure, tac. Ouais. Donc on est d'accord. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Trompe la mort 2. Le trompe la mort pour avoir une belle esquive, mine de rien, c'est vachement cool. Je perds le joyau 4, mais bon, on peut faire des belles choses avec les joyaux 1, donc c'est pas non plus dramatique. Allez, go. Ok, oui. Ensuite, le torse, donc. Pardon, pour avoir donc un deuxième point en puissance absolue. Ouais, non, athlète, j'en ai vraiment rien à carrer. Non, non, l'endu, je suis rarement en manque, hein, pour le coup. C'est pas là l'endu qui me manque. Ok. Voilà, oui, et c'est tout pour l'instant. Ok, ensuite il faut continuer de buter du Bariot. Il tient d'avoir sa gemme. Comment est-ce que j'enlève? Attendez, équipement, comment est-ce que j'enlève? Armure spéciale, c'est ça. Pas moyen de l'enlever ce truc là? J'ai pas envie d'avoir de skill en fait, moi. J'aime pas spécial, j'ai jamais spécialement aimé les skills. Peut-être que c'est dans le coffre. C'est ça, ouais. Okay. Non, je cherche. Hein. Premier, je cherche. Armure spéciale. Voilà. Résultat, pour l'instant, je ressemble pas à grand chose, mais c'est, on va dire que c'est du work in progress. Justement. J'aime bien, moi, le. J'aime bien, en fait, juste ressembler, vous savez, à ce que j'ai comme stuff, quoi, tout bêtement. Ok, joyau. Alors, ouais. Ok, ensuite ici on peut mettre le sauvage. C'est pas toujours clair ce qu'il fait celui-là, mais bon. Le jeu la tête, donc on laisse. Le vitalité, oui aussi. Ici on peut mettre. Attends, halo de guérison. Antigel. En vrai, antigel, tant que je chante du Bariot, c'est peut-être pas plus mal, hein, ceci dit de l'avoir celui-là. Pour l'instant, on va continuer le Bariot, donc bon, c'est peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir ça. Non, insectoïde, non. Ouais, vas-y, go. Hein. Jeu du maître. Ah, j'ai un deuxième. Merde, j'ai déjà un joueur sauvage. C'est pas cumulable ça. Jeu du fléau. Ouais, on va mettre mousquetaire, écoutez. Hein. En attendant, j'ai un autre à foutre. Hein. Joyau. Hein. Joyau du. Ok. Acrobatie, non. Annule l'effet du froid. Ah, ouais, d'accord. Joyau chauffant, ok. Ok, joyau inflexible. Ouais, ça c'était pas mal. Ah non, c'était pas bon, c'est pas du tout ça. Non. Bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Parce qu'en 3, évite les chutes. Bon, je suis pas vraiment. Salut off légende. Ouais, voilà.
Là, on est pas mal, je pense. Ok. Alors, ça donne quoi, équipement? Voyons voir ça. Pouvoir secret du baryote, déjà, c'est bon. Ajoute un étourdissement aux attaques dégainées. Ça, c'est très stylé. J'ai toujours Bastion 7, Antigel 3. Une belle def. Hein. J'ai perdu 10% de crit pour l'instant, mais c'est normal. Pas de soucis. Un peu de machine de guerre aussi. Ouais, puissance absolue 2. Ok. Trompe la mort 2. Un petit bonus d'affût de vie. Ça, je m'en tape. Ça, c'est toujours sympa. Ça, c'est toujours sympa. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Je vous remets l'ID, les gars. Sokur, t'auras pas besoin de mettre le premier live là. C'est dans le. Mette-le pour toi. T'auras pas besoin de mettre mon live nul là où j'ai été là, pendant une heure, là où j'ai blablaté, où j'étais en panique, où j'ai fait n'importe quoi sur Marriott, où j'ai du AFK. Enfin voilà, oublie-le celui-là dans le replay. On va aller directement. On va aller directement éclater du Marriott là. Alors, en parlant de Marriott, est-ce que j'ai d'autres quêtes pour voir ça? Rang maître, donc libre, je pense que j'ai fait celle qu'il me fallait, c'est ça. Déjà Naratalos, donc non. Ok, alors attendez, petit moment dans l'événement, je vais avoir du Baryote, je pense. Et ouais, 50 nuances de blanc. Ok. C'est parti. Ok, je reviens sur Discord. Il est déjà prêt à être upload. Ah! Ouais, mais vraiment, celui-là, le met pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est gentil, ce cure, hein. Mais c'était nul et j'aime pas me voir comme ça en stress. J'aime pas communiquer ça aux gens. Je suis pas un mec stressé de base. C'est-à-dire que je peux être arrogant, je peux être chiant, je peux être un connard, je peux être beaucoup de choses, y'a pas de problème. Mais là en mode flippette, ça me gonfle. Voilà, c'est juste trop d'émotions à gérer. C'est pas spécialement genre ce que j'ai envie de montrer. Alors je le montre en live très bien parce que je suis moi-même. Mais c'est tout le côté de YouTube, c'est qu'on peut changer un peu les choses. Puis là en plus, c'est pas intéressant en termes de contenu. Vraiment pas intéressant. Alors, enfin, après, écoute, si toi tu trouves ça intéressant, après, en vrai, t'as ton mot à dire. Hein. Si toi tu trouves ça intéressant, si tu penses que live était quand même bon et qu'on a parlé de choses intéressantes, fonce, hein, vraiment. T'as ton mot à dire aussi. Ah oui, équipement palico. C'est vrai que j'ai toujours pas stuffé mon palico en fait, moi. Je viens de tilter. Attendez, mais ouais. On va lui caler. Oh, mais il va être trop stylé, on va être avec Baryote. Paulumu. On va stuffer le. Je vais stuffer mon Paelico en mode Baryote, ça va être trop bien. Et il me faut un Cortex, ok. Il va être trop choupi, Maverick. Qu'est-ce qu'il est mignon, regardez-moi ça. On y va qu'à deux, pas de soucis. Personne d'autre veut join pour le baryote, le chat. Attends, j'ai pas été bouffé. Ah, y'a Kalo qui arrive. Venez, venez, hein, y'a bien 2-3 minutes. Hein. Là, le but du jeu, c'est d'enchaîner des baryotes. Hein. En faire 2, 3, 4, moi jusqu'à ce que j'ai full stuff. Et voilà, après, vous en avez marre d'arrêter, hein, pas de soucis, vous avez envie. On a Kalo, tiens, on va partir ensemble. J'arrive sur le Discord. Kalo et bah Vergi est déjà. Kalo, si tu viens sur le Discord, hein, tu es le bienvenu. Ok, tout le monde est prêt. Dans ce cas-là, c'est parti. Salut Kalo, salut Vergi. Salut. On vient mettre le micro en face, c'est mieux. Ok. Mais ouais, en vrai, c'est aussi ta chaîne, ce cure. Je trouve que ça va, le premier truc que tu dis, c'est le sujet de la boutique. Ah bah fonce alors. Je te dis, en fait, c'est aussi ta chaîne, ce cure, parce que dans un idéal, hein, dans un idéal lointain, hein, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, hein, mais dans un idéal lointain, le but du jeu, c'est que la chaîne te rémunère en partie. C'est pas impossible, hein, vraiment. Je vois qu'il y a des chaînes qui, avec des streamers dans la cabine, qui peuvent générer avec bien des replays propres et tout comme ça, moins propres que nous pour le coup, qui génèrent 100 à 200 balles par mois. Tu vois, c'est con, mais ça fait. Bah, déjà, c'est presque 10% de ton salaire, tu vois. Donc pour ça que je pense que t'as ton mot à dire et si tu me dis c'est good, bah ok, pas de soucis, fonce.
Let's go. Même sujet de la banque, c'est comme intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Salut Corben. Non, bah, let's go. Je suis pas fermé, hein. Je suis pas fermé du tout. Ah, je vais crever. Elle est sympa. Juste elle. Ah, je suis mort. Allez. Ok. Oh, bien joué ça! Oh la vache! On essaie de lui recouper la queue? Ouais, on essaie. Toujours sympa. Couper des queues, c'est un peu le but de mon stand-up de toute façon. Hein. Je vous laisse, moi je tape quelque chose. Logiquement, avec un katana sur la queue, je vais être pas mal en termes de dégâts tranchants. Je crois que c'est du 3 étoiles. C'est le meilleur. Fragilité, c'est que. Ou pas. Fait penser mettre avec des dégâts de plantes. Il s'envole quand même souvent, lui, on peut pas mettre des dégâts de plantes. Alors, à savoir qu'avec les aveuglantes, quand tu passes sur Iceborne, tu peux les aveugler une fois, je crois. Ah, ok. Après, ils ont une résistance. Ouais, après, l'aveuglante là en l'air, il tombe, ça me fait 10 secondes de free DPS. C'est pas des faits. Ça. Donne-moi. Bah, déjà. Ah, et c'est. C'est des coups. Je crois qu'il est toujours aveuglé, mais je pensais pas qu'il se ferait voir aussi vite en fait. Mais reste là, Jean-Mi. Donne-moi ta queue. Donne-moi ta queue. À la quête de la queue, hein, c'est. Je vais caler un piège électrique moi. Salut Bouki. Allez bim. Il y a des cailloux. Mais non, j'ai demandé à mes gamins. C'est trop bien le fait que tu es. Oh il a. Oh nice. C'est pour ça que j'aime bien le petit truc de para quand ça proc. C'est toujours plaisir. Allez. Donne-moi ta queue. Putain, je suis pas sa queue. Oh nice, bien joué. On peut lui faire mal là. Faut pas que je sorte le contexte cette phrase là, ça. Oh ça dépend sur Tinder, ça marche, mais bon. Ça passe pas trop en délire Tinder. Mais bon. Ah mais fous-moi la paix, laisse-moi aiguiser mon arbre Mimi. Ah c'est quand même pas mal la réduction d'affûtage de cycle en vrai. C'est pas pratique. Le katana c'est la vie. Je lui ai mis un lumière de la face. Je vais la nice, voilà, c'est le bête. Oh on t'a fait la queue. Ouais là oui pour la queue c'est plus compliqué effectivement. Pas grave. On lui bourre la gueule en soi, mais je pense que c'est plutôt bon. Eh non, plusieurs fois, regardez. Deuxième capsule aveuglante, hein.
c'est peut-être les rangs supérieurs. Ouais, genre les, peut-être les dragons anciens, tout simplement. Hein. Possible. Ils ont pas d'XP, c'est normal, faut le temps. Yes. Non. Elle est pas mal l'armure du Bariot en vrai. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal. J'ai déjà deux pièces. Ah, mais il est par terre, j'ai pas pu la faire. Il y a une des pattes qui a cassé. Pardon ? Une dent qui a cassé ? Il y a une des pattes. Ouais, une patte. Et gueule, de pas lâcher. Je vais pas lâcher tes pattes. Je vais pas aider. Le second. Salut Maltaio. Je rappelle, on farm en viewer, hein, donc on farm avec les viewers, donc ceux qui veulent venir hein, sur World, sur Iceborne, excusez-moi là, vous êtes les bienvenus. Bon, le katana par contre paralysie, ouais, je l'ai paralysé une fois, c'est vraiment pas voir ça. On passe à l'autre. Là tu le barres, c'est que j'ai pas été voir. Bon, sinon cette queue elle lâche ou pas là? Pépé moi. On va se faire un autre katana là qui est au feu. Ça paraît vraiment moins de 3 fois par combat. Ouais, ça pète pas beaucoup. Ah bah c'est la queue. Ouais GG, attends au moment où je monte dessus eh. Le bourrer là. Attends, ça pète. Attends, je vais sur la tête, résultat. Et. Nice. Le feedback est extraordinaire, Maltaio. Vraiment, le feedback de Monster Hunter hein, est plus. Ah, le salopin. Ça a pris. Donc il a plus de queue là. Ah mais il a encore ses crocs par contre. Ouais, ils sont pas encore tombés. Il a encore ses crocs j'en ai mis. Bah écoute, en même temps, c'est un très bon jeu et GG Malta. Mais ouais, FF14, c'est vraiment un cap à passer. Tu passes un peu le cap du début et ensuite c'est. Oh nice. C'est un très 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 bon jeu. Je suis à tout moment, moi vous me voyez au popé dessus, hein, c'est, ça dépend vraiment d'une question de... Nice, bien joué. Bah non, c'est l'autre patte. Passe, il est tombé. Moi je vois toujours du free DPS. Voilà. Le début était pas fou, mais c'est vrai que dès Evan Sword, disons, ils ont vraiment bien corrigé le tir. Mais c'est un peu... Pour le coup, le cas de beaucoup de MMORPG, hein. New World en fait partie, Elder Scrolls Online en fait partie, FF14 en fait partie. Bah voilà, où le truc était moyen et c'est devenu par contre bon par la suite. Salut Ensage. Ah bah ça. Je m'étonne. Je peux comprendre. Pardon ? Ouais, ils sont dehors. Ah, oh, ça l'a pris. Bordel. Il a pas l'air en forme quand même là. Hein. Je crois qu'il est pas en forme, j'en ai mis. Hein. Ah, le Bariot, ça a du point de vie. Hein. Ça a du point de vie. Hein. Après là je crois qu'on est 3 mais ça se scale comme à 4 non?
sais plus s'ils avaient corrigé ça. Je sais plus. Ah, ah nice. Go, 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 go. Bien sûr, Ensage, c'est même avec plaisir. On est 3 pour l'instant et on va continuer de farmer du Variot. Pour les motiver, hein. On n'est pas du tout obligé. Mais... c'est pas en sens où plus on est de fou, plus on défonce du Variot. C'est sûr, on fait plus DPS pour les prochaines. Ah, si on est 4, je prends un cornemuse, c'est peut-être marrant. Bon. Pardon ? Une corne. Ça va faire mal avec une horne. Ah, c'est pas mal. Je t'envoie la session après, ça. Putain. Oh là. Oh là. Et. Oh, saloperie. C'est terrible quand tu sais, quand tu fais full combo, t'as la belle ligne rouge qui apparaît. Et il se barre. Mais il va mourir, oui! J'ai pépé là! Il reste là! Salsifie! Mais oui, salsifie! Tout à fait, salsifie! Salsifions ensemble! C'est une honte! Meurs, putain! Et salut F12! Salut, salut. Bata, bata. Ouais, non, le vraiment le menu radial, c'est pas fou. Le menu radial, moi, ça me casse les couilles un coup sur deux, ça va pas faire ce que je dis clair. C'est pas mal le menu radial. Le L1 quand tu ouvres le non, menu radial, je sais pas grand chose. Autrement. La roue. Ah. C'est fou par contre, j'ai l'impression qu'il est en PLS depuis 10 minutes. C'est un peu. Je me demande si c'est pas un peu sous dernier sursaut là. Manquer d'événements. C'est une quête d'événements, ouais. Ah, c'est pour ça. Il est plus fort que la moyenne, c'est ça ? Ouais, les quêtes d'événements, elles sont plus hardes. D'accord. Après, il y a des meilleures récompenses, je suppose, donc. Généralement, oui. Récompenses limitées, armure, armes, tickets, des joyaux. Ce non, c'est bon. Oh. Je suis pété, hein. Ah, la roue, c'est pas ouf, je trouve aussi, pour l'instant, c'est une seule vite. Bah en fait, ça peut être bien que si ça marchait. Moi la problématique c'est pas tant la roue, c'est la fonctionnalité de la roue. C'est-à-dire que j'espère vraiment... Eh merde, eh merde, eh merde. J'essaie vraiment de l'utiliser tu vois la roue. Mais en fait, j'évite mes trucs hein, mais c'est juste que ça ne valide pas. Regarde, hop, là je fais l'aiguisoire, ça valide pas l'aiguisoire. Ça valide pas l'aiguisoire, ça valide pas l'aiguisoire. Ça valide pas l'aiguisoire, ça ne valide pas l'aiguisoire. Voilà. Là je l'ai fait 4 fois, ça n'a pas validé. Est-ce que tu peux essayer quand t'es sur ta roue, quand tu sélectionnes, de faire un clic sur la molette droite? Ah putain, ok, non, je vais comprendre. Bah, enfin, le oui sur le joystick. Il faut que je clique sur le joystick pour que ça valide, c'est horrible. C'est ce que je te disais hier, le Buffalo. Je ne cliquais pas Buffalo, mais c'est abominable en fait, ça fait perdre un temps fou. Ouais. Pour moi, l'intérêt justement, c'est de vite avoir tes items en fait, via ta roue, tu vois. Et là, ça marche, tu vois, là, j'ai pas cliqué, et là, ça a marché. C'est ça que je crois, toi. Bon, il va crever à un moment, gros bâtard. Ah, on va piller ça, là. Et là. Ah, il est à sec. Sa tête est encore un point faible, par contre. Je sais pas s'il est encore à péter. Il est à tomber. Est-ce
que là, moi, dans la t'as deux modes de validation, le radial. Ah. Ok. Et où est-ce que je peux remettre ça, s'il te plaît, Pierre? Allez. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'était bon ça. Oh. Enfin. Salut les codes. Eh ben, sale bête hein. Sale bête hein. Tu veux ça? Tu vas récupérer. Ah oui. Oui. Tu te caches. Tu ne veux pas révéler ta couleur vert pomme au viewer. Alors, avant-bras, cortex, le fouet. Alors avec la queue, est-ce que j'ai un truc cool? Elle est où sa queue? Donc ouais, c'était un baryote d'événement, visiblement il était costaud. Ouais. Fouet baryote, merde, j'ai pas ce que je voulais. Et bon, quand il faudra, j'ai eu des compos, mais pas... Ah, peut pas encore faire d'autres pièces de stuff. Alors, dans les options de gameplay. Alors, options, commandes, non. Donc ouais, il va falloir que je mette les bouchées loupes sur Iceborne parce que ce week-end j'aurais bien joué aussi à Dark Undarker. Donc tout un... De gros planning hein.